Vous êtes bel et bien sur École à domicile TV, vous le faites bien. Dans Cercle éducatif aujourd'hui, nous découvrons une autre structure sous tutelle du MEPSA, du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Il s'agit de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires dirigée jusqu'à ce jour par Gervais Stanlis Makani. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous voulons savoir d'entrée de jeu, direction, donc de l'orientation et des œuvres scolaires, quelles en sont les missions? D'accord, merci, monsieur Fortuna. En ce qui concerne les missions de l'ADOS, elles sont multiples et variées. Mais je vais en citer quelques-unes. Nous réalisons les transferts scolaires conformément à la carte scolaire produite par la direction des études et de la planification. Mais aussi, nous avons en charge les bourses et les aides scolaires. Et également, nous veillons à l'hygiène, l'assainissement, ainsi que le suivi sanitaire en milieu scolaire. Tout comme nous avons aussi à veiller sur le fonctionnement régulier des internats. Parce que nous le savons que les enfants ont droit à la scolarité. Mais il faudrait que ces enfants-là soient accompagnés. Et l'État a une partie en termes de mission que l'État assume. Voilà, en quelque sorte, on a ainsi présenté les missions de la direction de l'orientation et des eaux scolaires. Mais il faut vous dire que la direction de l'orientation et des eaux scolaires est une direction qui, naturellement, commence à travailler depuis le préscolaire. Donc du préscolaire jusqu'au lycée. Et lorsque nous travaillons du préscolaire jusqu'au lycée, il nous faut procéder à la gestion du fichier scolaire, donc la traçabilité de la scolarité de l'enfant. Voilà nos missions. On va certainement parler de ça tout à l'heure, mais bien avant, alors, comment se fait l'orientation? Nous savons qu'on en parle tout le temps dans la cité, les intellectuels en parlent, on dit que c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est quoi l'orientation scolaire? Bon, qu'est-ce qu'on entend par orienter? Orienter, en quelque sorte, c'est montrer à l'enfant la direction à suivre ou encore lui fournir les outils qui puissent lui permettre demain de se considérer dans la société, avoir sa partie dans la société. Voilà ce qu'on entend par orienter. Donc, c'est le suivre. Et lorsque vous le suivez, il faut obligatoirement que cet enfant ait un choix à opérer. Parce que lorsqu'il a opéré le choix, ça voudrait dire c'est son avenir. Et un choix mal fait voudrait dire que c'est son avenir qui est hypothéqué. Donc, en termes simples, orienter, c'est en quelque sorte guider, diriger l'enfant. Mais il ne s'agit pas de se substituer au choix de l'enfant. Il faudrait que l'enfant s'engage seul. C'est pourquoi vous avez par exemple le premier palier. Le premier palier voudrait dire quoi? Lorsque un enfant arrive au niveau de la cinquième, à ce stade, on peut lui dire que tu as d'autres opportunités. Au lieu d'être simplement au niveau du collège général, tu peux aller aussi du côté, par exemple, du collège technique, où on peut devenir, par exemple, un ingénieur en informaticien, ingénieur en maçonnerie, parce que ça nous manque énormément. Mais aussi, il y a le deuxième palier à partir de la troisième. Un enfant qui satisfait au niveau de la troisième, on peut faire de sorte qu'il aille faire, par exemple, la seconde C ou la seconde A. Mais en fonction de ses aptitudes, quelqu'un qui fait bien les mathématiques, vous ne pouvez pas l'envoyer, par exemple, au niveau de la seconde A. Ce serait une manière de le mettre en difficulté parce qu'il est plus apte et plus compétent dans ce domaine. Tout comme, vice-versa, quelqu'un qui fait bien le français ou la philosophie, vous ne pouvez pas l'orienter en C, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on ne dira pas de lui? Qu'il n'a pas réussi. Et le troisième palier, c'est finalement lorsqu'on a satisfait au baccalauréat. Faudrait qu'on dise à un enfant, ou qu'on dise aux enfants, l'élève surtout, que voilà les chances que tu as quand tu as satisfait au baccalauréat. Tu peux t'inscrire à l'école normale supérieure, je prends mon cas, tout comme tu peux t'inscrire dans une faculté de médecine. Donc, il y en a assez. Le temps
ne nous est pas aussi donné, car en fait, on aurait eu le, à développer, parce que c'est un cours. C'est un cours qui nous prendrait des heures entières. Voilà de façon détaillée ce qu'on entend par orienter quelqu'un. Vous l'avez dit certainement en termes très techniques, mais pour être clair, à quel moment commence l'orientation au niveau du MEPSA? À quel moment commence l'orientation au niveau du MEPSA? L'orientation commence à partir de la cinquième. Un enfant qui satisfait en sixième pour aller en cinquième, c'est de là que commence l'orientation chez nous. Parce que il y a les écoles. Je prends le cas, par exemple, le collège technique. Il y a le collège général. Un enfant peut, une fois satisfait qu'on appelle la composition premier, deuxième, troisième trimestre, tout de suite là, peut aller au collège technique, tout comme il peut continuer avec l'aspect général. Mais il n'y a pas à penser que l'orientation s'arrête là. En fait, l'orientation, c'est quelque chose qui poursuit l'enfant chaque jour qu'il va à l'école. Il doit s'attendre qu'il est appelé à choisir. Il est appelé à opérer un choix judicieux responsable qui pourrait demain faire de lui quelqu'un qui se retrouve dans le choix qu'il a opéré. Parce que lorsqu'on impose à un enfant une volonté, c'est que l'enfant n'est pas capable de s'appliquer parce que ça devient comme un fardeau. Et quand ça devient un fardeau, c'est comme vous, M. Golali, il vous est, par exemple, demandé à ce que vous ne puissiez pas manger le sakasaka. Mais quelqu'un arrive à vous imposer, ça devient une contrainte. Vous ne faites pas à volonté, mais vous faites cela parce qu'à tout prix, vous voulez satisfaire quelqu'un. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent, vous, de juger les aptitudes de ces enfants, qui vous permettent, vous, d'orienter ces enfants? Quels sont les éléments? Les éléments, il y a à dire que c'est d'abord le travail de l'enfant. Le travail de l'enfant est consigné dans un document scolaire que nous appelons, par exemple, le bulletin ou encore le livret scolaire. Le livret scolaire nous renseigne parce que là-dedans, vous avez une stratification des matières. Vous avez par exemple un enfant qui fait bien les mathématiques. Vous savez déjà que celui-ci peut évidemment bien rendre en mathématiques. Et à partir de là, nous avons un élément. Mais aussi, il arrive que nous ayons par exemple des enfants qui ne sont pas totalement aptes en mathématiques. Mais nous pouvons les guider, les orienter, les assister pour que là où ils se sentent faibles, qu'ils améliorent leur performance pour que finalement qu'ils soient un peu moyens partout. Donc, en termes simples, il y a lieu de dire que c'est le travail de l'enfant qui nous détermine pour l'orienter. Alors, est-ce que vous avez, vous, les moyens? Nous savons que la population scolaire au sein du MEPSA, c'est une grande, grande population. Est-ce que l'ADOS a des moyens de suivre depuis la 5e jusqu'en terminale et les élèves afin de mieux les orienter? Est-ce que vous avez des moyens? Est-ce que vous le faites? Pour ne pas être démagogue, parce que l'école ne rime pas avec la démagogie. La difficulté, elle est à ce niveau. Parce que nous avons à peine quelques éléments d'appréciation pour nos enfants. Je prends par exemple ceux de l'intérieur. Ceux qui sont, par exemple, à Chambanzasi, qui se retrouvent à Pikunda, qui se retrouvent à Kotipoko, ou encore qui se retrouveraient à Kingwe. Nous ne pouvons pas les suivre tout de suite là, parce que nous n'avons pas le document de cadrage qui puisse nous permettre à dire, tel élève fréquentant, par exemple, ce jeu de Kingwe, fait bien les mathématiques. Nous nous servons des directions départementales. Ce sont les directions départementales qui arrivent à nous produire les données statistiques pour nous dire, voilà par exemple, nous avons tant d'élèves en cinquième qui font bien les mathématiques, qui font bien les sciences physiques. Mais dire que à notre niveau, parce que je peux déjà vous dire que le premier souci qu'on a, c'est que l'élève congolais ou le parent congolais a oublié l'importance du livret scolaire. Le livret scolaire était un élément important, était un outil fondamental pour suivre ou pour tracer la scolarité de l'enfant. Tant que
nous n'allons pas réintroduire ou réinstaurer la pratique du livret scolaire, difficilement qu'on arrive là. Mais aussi, il faut peut-être ajouter, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère numérique ou du numérique, il faudrait que nous soyons à mesure d'informatiser l'école congolaise. Tant que l'école congolaise n'est pas informatisée, jamais du tout on parlera de la traçabilité, jamais du tout on parlera de la fiabilité dans le cadre de l'orientation ou encore dans le cadre de guider ou encore d'assister ces enfants-là qui ont besoin effectivement de notre apport. Parce que nous, nous sommes une direction à vocation sociale. C'est à nous de mettre à la disposition de l'enfant le côté social qui l'attend, parce que l'école, en réalité, n'est pas un bien marchand, mais l'école est un bien social. Alors, monsieur le directeur, si vous basiez, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les compétences, sur les résultats scolaires des élèves pour mieux les orienter, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a de la corruption dans certains établissements, les notes qui sont gonflées, on va dire, entre guillemets, soit entre l'élève et le professeur, l'achat des notes. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites, vous? On est conscient. Je puis dire que la corruption est devenue comme une maladie congénitale. Souvent, on croit que la corruption, c'est juste pendant les examens d'État. Mais non, même pendant... Non, voilà. Non, la corruption ne se situe pas simplement au niveau des examens d'État. La corruption commence à partir du moment où moi, je suis élève. Je viens voir M. Fortuna, je lui dis la note ne correspond pas, elle ne me convainc pas, j'ai besoin que ma note soit améliorée. Je vous donne par exemple 1000 francs, c'est de là que commence déjà la corruption. Mais à notre niveau, dire que nous ne connaissons pas cela, non, nous sommes informés. Nous sommes informés, et aussi dire que tout ce qui se fait au niveau des écoles, que les chefs d'établissement sont au courant, il y en a qui ne sont pas parfois informés, mais... ce sont les mauvaises pratiques développées, soit par leurs collaborateurs, ou soit encore par des tierces. Il y en a qui sont devenus plus pédagogues que le pédagogue. Ça, je vous le savais, monsieur Fortuna. Et lorsque eux, ils font comme ça, mais en réalité, nous ne pouvons pas, nous, aller toucher du doigt la réalité sur le terrain, parce qu'il faudrait qu'on ait les éléments pour nous dire, écoutez, au niveau, par exemple, du lycée Chaminade, il y a un phénomène qui s'est créé ou qui se crée. Est-ce que vous pouvez mettre un terme à ça? C'est l'information d'abord. S'il n'y a pas l'information, impossible. On vous a vu il y a quelques jours à la télé, vous avez interpellé quelques fraudeurs. Comment cela s'est passé? En ce qui concerne les faussaires, je peux vous dire que c'est notre cheval de bataille. Pourquoi est-il cheval de bataille? Mais simplement parce que la corruption, comme monsieur le ministre est... responsabilisés au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. N'oubliez pas que M. le ministre Anatole Kone Makosso était d'abord au niveau de la jeunesse. Et au niveau de la jeunesse, il a battu un travail de fond. Et lorsqu'il arrive au niveau de l'enseignement, il se rend compte qu'il y a des pratiques qu'on pérennise. Les anti-valeurs sont devenues comme les valeurs. Et lui, il dit, je dois aller en guerre contre la fraude. Et nous aussi, qui sommes sous lui, sous l'œil vigilant de monsieur le directeur général de l'enseignement secondaire. Il nous était donné mission de faire que chaque fois qu'il y a transfert à réaliser, que finalement ne puisse passer que des documents authentiques, des documents conformes. D'où, quand on est nommé en décembre 2019, nous en avons prescrit comme priorité de priorité. Pourquoi priorité de priorité? Parce que si nous ne sommes pas formés convenablement, nous ne serions pas à mesure aujourd'hui de prendre la parole. Nous ne serons pas aussi capables de tenir tête. C'est pourquoi, quand on arrive au niveau de la direction de l'orientation des heures scolaires, je peux vous dire, c'est une poudrière. Je peux vous dire, c'est un volcan. Parce que nombreux se retrouvent derrière les faux actes scolaire. Et j'ai préféré mettre en place un logiciel. C'est ce logiciel-là qui, aujourd'hui, nous permet de mettre la main sur les faussaires, les fraudeurs. Vous allez vous interroger, mais comment vous vous êtes procuré ce logiciel? On a pensé qu'il faut innover. Les gens ne pensent qu'à innover que c'est apporter une machine ou encore créer une entreprise. Ça, c'est l'innovation. Ça s'arrête là. Non. Même lorsque vous apportez une idée novatrice, ouais,
elle s'appelle innovation. Ouais. D'où le logiciel qu'on a mis en place. Nous avons les résultats scolaires de tous les lycées de Brazzaville. Nous avons les résultats scolaires de tous les collèges de Brazzaville, version électronique, format Excel. Lorsque un enfant vient solliciter le transfert chez nous à la DOS, nous mettons le nom, donc nous cliquons simplement, le nom sort. À supposer que cet enfant fréquentait le lycée Nganga Edouard et qu'il soit né doublement ou encore qu'il s'est procuré des fausses pièces, automatiquement il y a une traçabilité qui nous renseigne que cet enfant n'était pas à l'école. Je prends un exemple simple, ce n'est pas de la publicité pour cette école-là, mais je préfère dire une école privée. Quand vous êtes allé prendre les bulletins à ce niveau, automatiquement, on met la main sur vous, c'est que vous n'êtes pas élève de cette école privée, vous êtes élève de l'école Nganga Edouard. Il y en a qui aussi ont occupé le terrain de l'école, ceux qui sont devenus en quelque sorte les administrateurs de la fraude ou les gestionnaires au quotidien de la fraude. Cela délivre les fausses pièces aux enfants. Un enfant qui n'a pas satisfait, il devient admis parce qu'on lui a procuré ou il s'est procuré des faux bulletins, des faux actes scolaires. À peine hier, il y a un que j'ai, sur lequel on a mis la main qui est en train de nous dire « Mais l'école congolaise, ces pièces ne sont pas sécurisées. Mm-hmm. » En quelque sorte, je voulais simplement dire que l'administration congolaise, elle n'est pas sécurisée, ouais, du point de vue des actes administratifs. Vous voyez ? Et nous, à notre niveau, lorsque nous avons commencé à mener la campagne le 1er septembre 2020, nous nous sommes dit qu'il faut déployer les missions d'enquête sur le terrain. Ce sont les missions d'enquête qui sont descendues, qui se sont rendues compte que tous les documents déposés au niveau de la DOS, documents fournis par les élèves qui sollicitent les transferts, or, la plupart ces élèves-là qui proviennent des écoles privées sont des documents irréguliers. Et à partir de là, nous, qu'avons-nous fait ? On a d'abord pris l'initiative d'appeler l'école. Oui. Et lorsqu'on appelle l'école, le promoteur arrive. Nous lui disons, voilà, ce sont vos bulletins qu'on a en face de nous. Reconnaissez-vous ce bulletin ? Ah non, je ne reconnais pas les bulletins. Mais c'est le label de l'école. C'est l'adresse de l'école. C'est effectivement la marque déposée d'une école privée. À partir de là, quand le promoteur dit, ça je ne reconnais pas, qu'est-ce que nous... On a fait, on a pris le contact téléphonique de l'élève qui est venu solliciter le transfert parce qu'il y a aussi une fiche individuelle. Parce qu'on s'était rendu compte que quand un dossier nous est déposé, s'il n'y a pas une fiche individuelle où nous avons tous les renseignements, difficilement qu'on ait la possibilité de rattraper les malfrats. Ouais. D'où, avec le contact téléphonique, quand on a appelé, tout de suite l'enfant se présente à nous. On participe à la pédagogie. Ouais. On dit, bon, écoutez, votre dossier est un dossier irrégulier, mais si vous pouvez coopérer avec nous, certainement que nous allons vous aider à avoir un vrai document. Et l'enfant nous dit, bon, moi j'ai eu mon dossier par le biais d'eux. Est-ce qu'on peut avoir son contact ? Oui. Et lorsque le contact nous est donné, nous ne l'appelons pas directement. Nous nous soumettons à la disposition de la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui se saisit du dossier et ce n'est que la gendarmerie qui appelle le malfrat ou le faussaire et lorsqu'il arrive, il n'a même plus le temps de se justifier parce qu'il se reconnaît déjà dans le faux. Il y en a aussi certains qui ont falsifié les reçus de la DOS. Vous voyez, l'an dernier, c'est mon prédécesseur qui était là, M. Alain Mbumba. Monsieur Alain Rémy Blaise Mbumba, à qui peut-être je vais féliciter pour le travail abattu. Je lui rends hommage pour cette façon de faire. Mais son reçu était dans la rue parce que celui qu'il avait en quelque sorte eu l'an dernier n'avait pas l'information qu'il y a eu quelqu'un d'autre au niveau de la direction de l'orientation des heures scolaires. Et lorsqu'il falsifie, il scanne, il va déposer au niveau des écoles, les directeurs, les proviseurs informés que ce n'est pas M. Mbumba qui est censé réaliser les transferts, mais plutôt c'est M. Makani, directeur de l'orientation et des œuvres scolaires. Ils m'ont appelé. Quand je suis arrivé, j'ai mis la main sur les reçus, j'ai demandé aux parents comment
vous avez fait pour en avoir? Et ce sont les parents, effectivement, qui nous ont aussi donné la possibilité d'attraper tous ces malfrats qui, aujourd'hui, pensent que l'école est devenue pour eux un business, un moyen pour eux pour se frotter les mains, parce que eux, quand ils ont scanné un dossier ou ils ont falsifié le reçu, je peux vous dire, Monsieur Fortuna, ils ne prennent pas moins de 2 500 que nous nous demandons à la DOSO, ils demandent 15 000, 20 000, vous voyez. Et donc, ils se servent de l'école pour se procurer de l'argent sale. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer à pérenniser cette mauvaise pratique-là, ou encore ces gens-là qui pensent que par l'école, ils peuvent construire les maisons, ou encore par l'école, ils peuvent s'acheter des biens. L'école est un cadre par excellence où on est censé former l'élite de demain, parce que demain, ce sont eux qui sont censés relever le défi du Congo. D'accord. Pour clore ce sujet, ce chapitre sur l'orientation, j'aimerais savoir, pour ceux qui nous suivent, les élèves qui nous suivent, à qui incombe la responsabilité de transfert? Est-ce que les établissements seuls peuvent le faire entre établissements, ou tout doit, et je dis bien, doit passer par la DOS? Bon, en ce qui concerne les transferts, nous avons le décret 515 du 29 décembre 2017. Vous avez l'arrêté 8267. Les missions sont reconnues dans le cadre des transferts. Les transferts ressortent de la compétence de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, notamment au niveau du service de l'orientation et de la scolarité. Voilà. Mais lorsque Monsieur le ministre Anatole Coligny-Makosso avait compris que finalement, il y avait quand même une léthargie ou une lenteur dans le traitement des dossiers de transfert, il avait pris deux notes de service fixant les modalités d'inscription et de transfert. Il y a les DDEPSA, donc les directions départementales de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui peuvent transférer, mais leurs transferts ne sont que des transferts de leur circonscription départementale. Mais le chef d'établissement n'a pas qualité de transférer. Le chef d'établissement, il délivre simplement les pièces, notamment l'attestation de fréquentation, l'attestation de niveau, le bulletin ou les bulletins scolaires et enfin le certificat de transfert. Et le transfert est réalisé par le directeur départemental. Mais une fois que le dossier lui est déposé, tant que le dossier ne lui est pas déposé ou fourni, lui, il ne peut pas aussi transférer. La même chose au niveau de la direction de l'orientation des eaux scolaires. La direction de l'orientation des eaux scolaires, pour transférer, s'appuie aussi bien sur les établissements, s'appuie aussi bien sur les directions départementales. Je prends un exemple simple. Les transferts interdépartementaux sont de la compétence de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Mais pour éviter que les enfants qui sollicitent, par exemple, les transferts au niveau de l'intérieur, qu'ils viennent à Brazzaville, nous leur demandons de déposer les dossiers au niveau des directions départementales, et les directions départementales nous font parvenir les dossiers et nous validons ou nous régularisons les dossiers. Et la compétence de la DOS, peut-être vous allez vous interroger, mais pourquoi la DOS a la même mise sur Brazzaville? Parce que le directeur départemental de Brazzaville peut transférer les enfants de Brazzaville. La DOS également peut transférer ou transfère directement les enfants de Brazzaville. Parce que vous voyez, ils sont nombreux. Vous avez par exemple pratiquement 1 million d'élèves. Et lorsque vous avez 1 million d'élèves et qu'il y ait par exemple 10 000 élèves qui viennent ou qui sollicitent le transfert au niveau d'une seule direction, difficilement que les dossiers soient traités en urgence ou avec diligence. Sur quels critères, est-ce que vous avez, vous, des exigences ou des conditions dans le transfert? Est-ce que c'est le choix d'un élève qui pense que, bon, je peux à n'importe quel moment quitter un établissement pour un autre? Est-ce qu'il y a des conditions? Bon, il y a à vous dire, Monsieur Fortuna, que nous avons une période à laquelle nous réalisons les transferts de façon officielle. Souvent, c'est la fin
d'une année scolaire et le début d'une nouvelle année scolaire. Et en termes de critères, la campagne ou le transfert, c'est quelque chose qui peut se faire de façon permanente. Vous pouvez avoir un parent d'élève qui est muté. Il veut quitter Pointe Noire en milieu d'année, mais il a des enfants. Il faudrait que ces enfants-là soient transférés parce que ces enfants-là ne vont pas simplement rester à la maison parce que papa est affecté ou papa a été muté. Là, nous pouvons les transférer. Mais pour transférer cela, nous exigeons beaucoup de choses. Il nous faut avoir la note de mutation, soit encore la note d'affectation du tuteur. Il nous faut avoir l'acte de naissance, la photocopie en couleur. Il nous faut avoir les bulletins, l'attestation de fréquentation, l'attestation de niveau. Maintenant, quand il s'agit de la campagne officielle, là par exemple, nous sommes à la fin de la campagne des transferts scolaires année 2020-2021. On l'avait commencé le 1er septembre, elle prend fin aujourd'hui. Okay. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de travailler. Mais les critères sont lesquels? Premier critère, c'est le respect de la carte scolaire qui est produite par la direction des études et de la planification. Parce qu'un enfant qui habite par exemple Kinsoundi ne veut pas quitter Kinsoundi au profit de Chaminade. Mmh. Ou encore un enfant qui habite Mikalo ne peut pas quitter Mikalo au profit de Nganga Edouard. Là, il y a une réglementation à respecter. Mais en ce qui concerne la concession du dossier, nous avons un, la photocopie de l'acte de naissance. Deux, nous avons les bulletins, premier, deuxième et troisième trimestre. Mais pour cette année, c'est une particularité. Nous n'exigeons que deux bulletins, premier et deuxième trimestre. Peut-être pour les enfants qui ont participé à la session de rattrapage, cela nous exigeons trois bulletins. Il y a l'attestation de niveau, l'attestation de fréquentation et nous avons le certificat de transfert qui est délivré par les chefs d'établissement. Mais il y a aussi une spécificité au niveau des écoles privées. Au niveau des écoles privées, nous exigeons dans le dossier ou la composition du dossier l'attestation de non-redevance. Parce que certains parents, un enfant qui fréquentait une école privée, lorsqu'il est à bout de souffle, il se dit « je ne paye pas ce que je dois à l'école, je préfère aller placer mon enfant dans une école privée et publique » et il pénalise l'école. Et le ministre Anatole Colin-Makosso a fait de sorte que tout transfert d'un enfant provenant d'une école privée, il faut nécessairement qu'on insère l'attestation de non-redevance. Dernière question, parce que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On a beaucoup à dire, surtout que vos missions sont plurielles. Nous espérons que vous reviendrez sur ce plateau pour que nous parlions des aides scolaires et des bourses. Oui. Mais pour le moment, pour ce premier numéro avec vous, nous nous sommes concentrés sur l'orientation. La dernière question, est-ce qu'un élève peut quitter l'établissement parce que il se sentirait, on va dire, en insécurité ou encore quand il constate que l'école n'est pas mieux organisée? J'ai entendu un débat un jour un élève aurait quitté un établissement parce qu'il jugerait le niveau des profs très bas et il a décidé de quitter l'établissement. Est-ce qu'on peut quitter parce que soit les professeurs sont toujours absents, ils ne viennent pas, ils ne respectent pas les heures de cours, ou encore ils constatent que l'école n'est pas sécurisée? Bon, je voudrais aborder cette question avec deux approches. Première approche, c'est de vous dire qu'il arrive des fois qu'effectivement, le départ ou la migration d'un enfant soit occasionné par le phénomène que vous venez d'énumérer. Il y en a par exemple le harcèlement sexuel. C'est un vrai problème. Un enfant peut quitter l'école ou l'établissement au profit d'un autre établissement. Tout comme un enfant peut estimer que mon professeur, son rendement n'est pas positif. C'est possible. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que lui a qualité, effectivement, de former un enseignant? Oui, le vrai inspecteur, c'est l'élève. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas peut-être les inspecteurs qui sont formés ou encore qui sont nommés les inspecteurs itinérants. Le vrai inspecteur, c'est l'élève, c'est vrai. Mais en réalité, ça c'est vraiment de façon subjective qu'un enfant quitte l'établissement parce que son enseignant n'est pas compétent. Mais la deuxième approche, c'est quoi? Oui,
c'est effectivement le phénomène que nous appelons communément violence en milieu scolaire. Actuellement, nous saluons le comportement civique des enseignants. Nous saluons le comportement civique des dirigeants ou encore des différentes équipes de maîtrise. Mais aussi, nous saluons le savoir-faire de M. le ministre Anatole Kolele-Makosso. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés en difficulté parce que chaque jour, les établissements étaient comme des établissements fichés. Oui. Je prends le cas du lycée Savornion, qui avait toujours des contradictions avec le lycée technique premier main. Oui. Nous prenons Ganga-Edouard, le lycée Ganga-Edouard, qui avait toujours des contradictions avec le lycée technique industriel premier main. Oui, l'insécurité est un phénomène réel qui peut occasionner à ce qu'un enfant puisse quitter un établissement. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que les violences au milieu scolaire n'existent presque plus. Presque plus, oui. Voilà. Ouais. Et c'est à féliciter. Ouais. Mais aussi, c'est avec votre effort. Parce que vous communiquez, merci, vous sensibilisez. Et quand vous sensibilisez, automatiquement, les gens prennent conscience. Les parents d'élèves se rendent compte que c'est un travail de chaîne. Ils conscientisent les enfants à la maison. Parce qu'au départ, l'on croyerait même que lorsque l'enfant va à l'école, il est mis à la disposition de l'école, les parents se déchargent de leurs responsabilités. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Nous vous rappelons que dans le cercle éducatif, nous avons voulu découvrir les missions de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, gérées aujourd'hui par Gervais Stanis Makani, que nous avons reçu dans cette émission. Monsieur le directeur, nous vous disons merci, mais avant de nous séparer, dites un mot à l'endroit des téléspectateurs, donc des parents d'élèves, des élèves et même des enseignants qui vous suivent. Merci, monsieur le journaliste. En réalité, le dernier mot, c'est d'abord vous dire merci. Si. Étant entendu que vous nous offrez là le plateau et la possibilité de communiquer. Parce que vous voyez, l'orientation scolaire est un maillon important dans la vie d'un enfant. Mais lorsque nous n'allons pas organiser les campagnes d'orientation, l'enfant va aller dans tous les sens. C'est pourquoi je demande aux parents de veiller à la scolarité des enfants. Ça leur permettra à ce qu'ils soient informés au quotidien. Deux, ça leur permettra à ce que finalement qu'ils soient en contact entre l'école ou encore qu'ils soient au milieu. L'école, l'enfant, ils sont au milieu. Ça, c'est un aspect très important. Et aussi dire aux enseignants qu'ils ne baissent pas les armes. Bien au contraire, ils doivent s'armer de courage. Parce que ce qu'ils fournissent comme travail, c'est à féliciter. Il faut rendre hommage à ceux-là qui, nuit et jour, préparent les fiches, préparent les cours, qui arrivent même à sacrifier ou à céder une once de leur liberté. Tout comme, je peux me permettre de dire aux chefs d'établissement, qui sont en train de réfléchir, nuit et jour, comment dispenser les enseignements de qualité avec le principe du protocole sanitaire, 50 par classe. Vous voyez, il est arrivé un moment où j'ai eu pitié des enseignants, j'ai eu pitié des parents d'élèves, parce que quand ils viennent vers nous, ils nous disent « Mais moi, j'ai transféré mon enfant. Malheureusement, là-bas, on ne veut pas recevoir mon enfant. » Vous voyez, la scolarité est un droit inaliénable. C'est sacré par la loi 95, celle qui est dite loi martiale, mais aussi la constitution elle-même de notre pays. Donc, je crois savoir que, en ce qui concerne l'école, qu'on ne pense pas que l'école, c'est le terrain de la démagogie, ou encore l'école, c'est le lieu de la distraction, mais plutôt l'école est ce cadre par lequel, ou le moule par lequel on est censé former les gens, où on est censé refonder le mental ou le logiciel des dirigeants de demain. Et à ce titre, je peux vous dire que je sais compter sur vous. Je crois que ce n'est pas la première et ni la dernière. Exactement. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous nous présenterons pour échanger, parce que nous apprenons ensemble avec vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous êtes sur EAD TV, c'est simple. Abonnez-vous
pour ne pas, pour ne rien manquer, parce que c'est une chaîne éducative, ça nous forme, ça nous informe. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner pour ne rien manquer. Merci à vous qui nous suivez sur EAD TV. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.